Bienvenue à tous sur Lance-toi. Aujourd'hui, je me lance dans la fabrication de cette trottinette thermique fait maison, réalisée à partir d'un vieux moteur récupéré. Alors si toi aussi ça t'a kiffé, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant, et sans plus attendre, c'est parti! Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, je m'attaque à un gros projet puisque je vais essayer de fabriquer une trottinette thermique. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais récupéré un vieux rotofile dans un tas de ferraille. Et donc là, c'est l'occasion de retirer le moteur et essayer de fabriquer quelque chose avec. Bon, bah dans ce cas-là, on file tout de suite au garage. Je vais essayer de démanteler tout ça et extraire seulement le moteur. J'ai démonté tout ce que je pouvais, nettoyé toutes les pièces avec un torchon. J'ai vérifié que la bougie fonctionnait bien. C'est un moteur de temps, donc j'ai mis de l'essence de temps directement à l'intérieur. Le moteur n'est pas bloqué, donc ça c'est déjà bon signe, il va certainement pouvoir redémarrer. Il n'y avait plus le lanceur quand je l'ai récupéré. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de mettre une corde, d'enrouler une corde autour. Pendant 3 heures, j'essayais comme ça et mes cordes elles se pétaient une par une, alors ça m'a saoulé. Alors j'ai construit cette pièce et cette petite pièce, elle va pouvoir venir se fixer. Sur les ailettes, et avec une perceuse je vais pouvoir m'embrancher dessus et le démarrer avec la perceuse. J'ai galéré à fond pour le démarrer parce qu'en fait l'interrupteur permet d'arrêter le moteur, il était toujours enclenché, il y a un défaut à l'intérieur et c'est à cause de ça qu'il n'arrivait pas à tourner. J'ai récupéré deux trottinettes usagées pour créer la trottinette thermique. Je vais les désosser et comme ça je vais récupérer les pièces qui m'intéressent. J'ai également récupéré d'anciennes pièces qui proviennent d'autres projets. Pour ça je remercie mes potes qui me les ont prêtées. J'ai également récupéré la selle d'un vieux scooter que je pourrais mettre sur la trottinette. Je tiens vraiment à appuyer sur le fait que je n'ai acheté aucune pièce et on va tout de suite s'attaquer à une grosse partie puisqu'on va commencer la transmission. Thank you.
ici j'ai soudé un petit engrenage sur la sortie d'arbre. Après j'ai fabriqué une petite bride sur la roue trottinette. Ensuite du coup on a la transmission par chaîne, et ce qui est bien c'est que du coup maintenant on a un petit réducteur, donc la trottinette qui vient en dessous du moteur, qu'on aura l'axe qui va venir à travers les deux roues. Je vais mettre deux roues à l'arrière, une ici et une ici, et comme ça la roue en fait ne va pas entraîner l'axe, le moteur entraîne simplement la roue, donc on aura une seule roue motrice. Prochaine étape, c'est de faire un bâti solide pour mettre un grand axe à travers les deux roues. Ensuite on pourra fixer ce beau bébé sur la trottinette, puis faire le guidon et le système d'accélération et de freinage. Pour fixer le moteur, j'ai fabriqué des carters en métal sur lesquels j'ai vissé le moteur et soudé sur la trottinette. Et maintenant que tout est monté, on va essayer de démarrer tout ça pour voir si ça explose pas. Alors ça y est, le premier démarrage a réussi. Vous avez vu que la première fois la machine elle a déraillé parce qu'elle n'était pas bien axée. Donc j'ai retiré un petit peu le petit axe et maintenant la chaîne elle engraine bien comme il faut. Je vais fabriquer une pièce pour pas que les axes se tordent parce qu'ils sont un petit peu fragiles. Comme ça on pourra aller plus vite, et je pense que je vais mettre une selle pour que ce soit plus confortable. Et voilà le projet final. Déjà j'ai mis la selle au-dessus du moteur, j'ai passé les étapes, hein, je me suis dit que ça allait être un petit peu chiant. J'ai aussi rajouté un petit frein à l'arrière pour éviter de partir en wheeling directement et se retourner, ça permet de freiner un petit peu. J'ai aussi peint juste ici le cale-pied, changé le guidon pour que ce soit plus stable. Par contre, truc assez important que j'ai rajouté, déjà il y a le phare, hein, parce qu'on ne fait pas un beau projet sans le pimper un petit peu. Le phare, aussi le petit klaxon. Si vous aussi vous succombez à ce petit bruit, ça me ferait vraiment plaisir que vous vous abonniez et également que vous partagiez cette vidéo à tous vos potes. Je sais que c'est une période difficile pour tout le monde, alors j'espère que ça vous a permis de vous évader un petit moment. J'ai vraiment kiffé réaliser cet objet et filmer la vidéo, et j'espère que vous aussi. Et je vous laisse tout de suite kiffer les images du drone.
Et hop, avant que vous partiez, abonnez-vous.